C'est pas Franck que je viens voir. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'endroit, Tony. La prochaine fois, prenez d'abord un rendez-vous. Bon, bon, d'accord, mais moi, je vais vous parler de quelque chose de très important. OK? Pourquoi on ne prendrait pas un verre? Tout gentiment. Comme ça, décontracté. Allez, j'aime bien le scotch. Oui, après tout. Bien sûr, je vais pas vous mordre. Ici, tout le monde est cool. J'ai appris qu'entre Franck et vous, le travail à deux s'est terminé. C'est vrai. Ça facilite les choses, non? Beaucoup de choses. Merci. À la santé de ce pays de cocagne. Pour vous, peut-être. Vous aimez les gosses? Les gosses? Les gosses, vous savez, les gosses, les jeunes gosses, quoi. Oui, j'ai rien contre. Si on a une nurse. Bon. Parce que moi, je les aime. Oui. Je les aime beaucoup. Filles et garçons. Ça m'est égal. Écoutez, Franck va revenir dans 2 minutes. Venez voir. Venez. Eh ben, venez. Asseyez-vous. Je veux vous parler. Allez, asseyez-vous, je ne vais pas vous mordre. OK, je raconte ma vie. Je suis parti de rien. Ça, je le sais. Je n'ai aucune instruction. Mais c'est rien, ça. J'ai tété la rue. Et je me fais plein de bonnes relations. Si j'ai la femme qu'il faut, rien ne peut m'abattre. J'irai tout droit jusqu'en haut. Enfin, voilà. Ce que j'ai à vous dire, c'est ça. Vous me plaisez. Dès que je vous ai vu, j'ai eu les coups de cœur. J'ai dit, c'est une tigresse. Elle appartient à moi. Bon, enfin bref. Si avec vous soyez ma femme. Et ce sera vous, la mère de mes enfants. Moi, me marier avec vous. Eh oui. Vous oubliez Franck dans tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire de Franck? Franck, il va dégager, OK? Il est fini, lui. Pensez à tout ça, OK? Je veux vraiment que vous y pensez. OK? Là, je me sens. Soyez sage.